my people, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du plat le plus populaire du peuple ivoirien et son histoire. Connu pour ses artistes et sportifs qui brillent à l'échiquier national et international, la Côte d'Ivoire se distingue par sa riche et délicieuse cuisine, symbole de sa belle diversité culturelle. Ce mythique mets pour l'occasion a été baptisé la sauce de l'unité. La sauce graine est bien représentée sur tout le territoire ivoirien. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, égayant les papilles de nombreuses familles et les tables des restaurants modernes et traditionnels. Certains peuples de l'ouest, notamment les Bété, on en fait le plat prisé du terroir. Préparé à partir du jus de noix de palme, d'abord bouilli puis pilé, les accompagnements et les ingrédients diffèrent selon les régions. Certains y ajoutent des feuilles, du gombo frais, du gombo séché en poudre, communément appelé le djumblé, pour alourdir la sauce. D'autres peuples la préfèrent sans mélange. Elle peut être servie avec du poisson frais ou fumé, des escargots, de la viande, etc. On l'accompagne avec du foutou, qui est un mélange de banane plantain et de manioc bouilli puis pilé, ou avec du plakali, qui est la purée de manioc cuite, ou tout simplement avec du riz. En outre, la régularité dans la consommation change selon les peuples. Chez les Bété, par exemple, il est possible pour certains d'en consommer presque tous les jours. Il en est de même pour plusieurs peuples de l'Ouest. Par contre, au nord de la Côte d'Ivoire, elle est moins consommée du fait des habitudes alimentaires du peuple malinké qui y vit. Son histoire reste tout de même fascinante. Les Ivoiriens adultent plusieurs plats de la riche culture gastronomique du pays, mais la sauce graine reste le plat le plus populaire et le plus consommé. De plus, elle est aussi populaire en Afrique de l'Ouest. Au Ghana, par exemple, on l'appelle abenkwan. Au Nigeria, c'est banga soup. Alors, et si l'on donnait du répit à l'arbre à palabre et que nous discutons autour d'une bonne sauce graine pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Par contre, que chacun vienne avec son accompagnement. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet.